Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite, victime de la crise des subprimes. Les bourses plongent, Paris perd près de 4%. Des précisions sur la taxe pique-nique, elle sera de 90 centimes d'euros par kilo d'assiette, couvert en carton. Rien n'est encore fixé définitivement pour le bonus-malus sur les autres produits. La fin de la visite du pape en France, sa dernière messe a été consacrée aux malades à Lourdes devant 70 000 fidèles. Il a rejoint le Vatican ce soir. Ils sont les indésirables de l'Europe. Un sommet européen est consacré aux Roms. Demain à Bruxelles, 10 millions de personnes sur le continent. Qui sont-elles? Comment vivent-elles? C'est le dossier de cette édition. La méditation sort de son ghetto. Elle est même recommandée désormais par certains médecins contre la douleur ou la dépression. Est-ce vraiment mesurable? Notre enquête dans un instant. Enfin, tétraplégique et champion, le français David Smetanin est l'un des héros des Paralympiques à Pékin. Il a conquis aujourd'hui sa 4e médaille en natation. Bonsoir et bienvenue à tous. Sans être spécialiste de la finance, il y a des noms prestigieux que chacun connaît, Rothschild, Morgan ou Lehman Brothers. Eh bien, c'est cette dernière banque d'affaires qui est ruinée aujourd'hui. Elle annonce sa mise en faillite. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique et aussi le signe que la fameuse crise des subprimes n'est pas du tout terminée. Sophie Brune, Bernie Merrill. New York, hier soir. Après un week-end de tractation, la nouvelle tombe. Lehman Brothers ne sera pas sauvé. La 4e banque d'affaires américaine est en faillite. Sans attendre, des employés viennent vider leurs bureaux. C'est terrible, terrible. On ramasse toutes nos affaires. Parallèlement, un autre établissement de renom, Merrill Lynch, est racheté par Bank of America. Un séisme inédit selon l'ancien gourou des marchés, Alan Greenspan. C'est la crise la plus grave, sans doute depuis un siècle. La conséquence sur les bourses est immédiate. Dans la nuit, en Asie, puis ce matin, en Europe, les marchés plongent. Exemple à Francfort, où l'indice vedette perd 3,5%. 15h15, à Paris, dans cette salle de marché, on scrute les statistiques. C'est l'heure de la production industrielle américaine. Sans surprise, elle est mauvaise. C'est vraiment la journée des mauvaises nouvelles aujourd'hui. 9h30, heure de New York, l'ouverture de Wall Street. Toute la planète finance a les yeux rivés sur le marché américain. À Paris, on attend les cotations avec angoisse. Une faillite, un rachat, c'est pas courant d'avoir comme ça dès le lundi autant d'infos, autant de mouvements. On attend une très grosse journée. 16h à Londres. Dans le quartier des affaires, la faillite de Lehman Brothers menace 4000 emplois. Ses salariés gardent le silence, mais ont déjà fait leur carton. Bonsoir Alain Chalgrand, vous êtes en direct à Washington. Cette faillite, c'est un choc très important pour toute l'économie américaine. Oui, écoutez, on ne parle que de ça ici. D'abord parce que l'Amérique est une nation d'actionnaires. Chacun est directement touché. Et ensuite parce que personne n'imaginait que des sociétés comme Lehman Brothers, aussi prestigieuses, aussi anciennes, 158 ans, puissent un jour s'effondrer. Et puis il y a aussi un vrai sentiment d'inquiétude. Je dirais pas encore de panique, mais d'inquiétude. Est-ce que le gouvernement, en n'acceptant pas de subventionner Lehman Brothers, de sauver Lehman Brothers, n'a-t-il pas pris un risque inconscient, celui d'un effondrement des marchés, comme en 1929. Le New York Times dit aujourd'hui que le secrétaire au Trésor joue à la roulette russe financière. Ça passe ou ça casse. Justement Alain, pourquoi est-ce que l'État n'a pas nationalisé Lehman Brothers comme il l'avait fait la semaine dernière? On en a parlé pour deux grandes institutions de crédit. Oui, alors ces deux grandes institutions, Freddy et Fanny, ça aurait été une catastrophe pour toute l'Amérique et pour chaque Américain si on ne les renflouait pas. Mais voilà, maintenant on a l'impression que c'est chaque jour qu'il faudrait renflouer des sociétés tant la crise est en train de faire boule de neige et ça n'est tout simplement pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible pour le gouvernement et la réserve fédérale de mettre des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars sur la table chaque jour. Alors le signal est clair, c'est débrouillez-vous, aidez-vous et le ciel vous aidera. En fait, le gouvernement et la réserve fédérale comptent sur la capacité, sur la capacité du système financier de trouver des solutions en interne. Alors, c'est vrai que c'est un pari risqué. Merci Alain. Précisément, une image, celle de George Bush qui est intervenu publiquement et il se veut rassurant et il se dit confiant dans la faculté des marchés à faire face à long terme à cette crise. Certains économistes sont beaucoup plus inquiets. Alors on s'arrête un instant. Quelle est l'origine de cette crise? Jusqu'où peut-elle aller? La France est-elle concernée? Élément de réponse avec Jean-Paul Chappel et Bruno Giraudon. Comment en est-on arrivé là?
Printemps 2007, les premiers panneaux à vendre apparaissent aux États-Unis. Personne ne soupçonne alors l'ampleur de la crise à venir. Elle va faire des millions de sans-abri. Ils ont souscrit des prêts immobiliers, mais à taux variable, les fameux subprimes. Face à la hausse brutale des taux d'intérêt, ils ne peuvent plus rembourser et se retrouvent à la rue. Des maisons à vendre que personne n'achète, l'immobilier craque, les banques qui ont investi dans l'immobilier font faillite à leur tour. C'est la litanie des fleurons de la finance qui s'écroule. Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac et aujourd'hui Lehman Brothers. Jusqu'où ira la crise? Là, c'est l'inconnu. Si une banque fait faillite, elle ne peut plus rembourser ses dettes aux autres banques. Depuis hier, le risque de contagion est réel. Ça n'a pas de précédent. Jusqu'à présent, on était terrorisés à l'idée qu'une banque d'investissement faisant faillite, par un jeu de domino ou par un jeu de cascade, tout le système financier soit contaminé. C'est le fameux risque de la crise systémique. Eh bien hier, on a accepté le risque de la crise majeure en laissant une grande banque d'investissement faire faillite. Première conséquence, la BNP doit rayer d'un trait de plume 180 millions d'euros que la banque américaine ne pourra pas lui rembourser. Pour Dexia, autre banque française, c'est 500 millions d'euros de perdus, des banques de plus en plus fragilisées. Ça ne facilite pas les investisseurs, les investissements, la croissance économique, le crédit devient plus cher. Ça a le même effet, si vous voulez, qu'une augmentation des taux d'intérêt. Alors, quelles conséquences pour notre économie? Là encore, c'est l'effet domino. Des banques en difficulté qui ne prêtent plus, c'est la pénurie de crédit. Moins d'argent, c'est moins de consommation et moins d'investissement. La crise de confiance est aussi contagieuse. En France, on a déjà révisé à la baisse les prévisions de croissance. On a constaté, bien entendu, le ralentissement économique. Quand le taux de croissance prévisible est révisé de 1,8 à 1,3. Autre conséquence très concrète, la crise de l'immobilier en France. Les ventes sont en chute libre, pas de confiance, peu de crédit. Le cercle vicieux est en route. Et puis à noter que dans le sillage des bourses, les cours du pétrole ont encore dégringolé, passant sous les 97 dollars le baril à New York, le niveau le plus bas depuis 6 mois. Autre image aux États-Unis, de jour en jour, on se rend compte de l'ampleur des dégâts provoqués au Texas, notamment par l'ouragan Ike. Le Texas où l'on distribue des vivres et de l'eau, des autoroutes, des ponts, des plateformes pétrolières vont rester fermées pendant des mois, peut-être plus. Un couvre-feu nocturne a été imposé pour éviter les pillages. En France, d'abord, des précisions sur ce qu'on appelle déjà la taxe pique-nique. Information France 2, signée Florence Mavic. Le chiffre de 90 centimes d'euros par kilo de vaisselle jetable ne s'applique pour l'instant qu'aux assiettes et aux couverts en carton. Le reste devra faire l'objet d'arbitrage. C'est le cas aussi, l'arbitrage qui n'est pas encore rendu pour la liste exacte des autres produits concernés par le bonus-malus. On sait qu'il est question des téléphones portables, des ordinateurs, de la peinture, des frigos ou encore de la lessive. Il faut savoir qu'un pays applique déjà ce système. C'est d'ailleurs là-bas qu'est née l'expression « taxe pique-nique ». Il s'agit de la Belgique. Reportage sur place, Elsa Palot. Fourchettes, verres en plastique, films transparents ou encore papier aluminium. Depuis juillet 2007, tous ces produits sont surtaxés en Belgique. De 3 à 4,50 € le kilo, les consommateurs prennent ça plus ou moins bien. Je pense qu'il faut inciter aussi les gens justement à cette sensibilité écologique et que ça ne se fera pas naturellement, donc ça peut être un moyen. Je trouve que le gouvernement prend vraiment de droite et gauche beaucoup de choses. Déjà que ma note, elle s'allonge de jour en jour, mais en tout cas, au niveau de ce qui était papier alu et film plastique, oui, la différence est vraiment importante. La grande distribution estimait il y a un an que cette taxe allait faire doubler le prix de certains produits. Aujourd'hui, des responsables avouent pourtant, hors caméra, avoir réduit leur marge pour continuer à vendre. Mais pour le gouvernement, l'opération reste malgré tout un succès. La preuve, la taxe a beaucoup moins rapporté que prévu. La première année, on a touché 5 millions. La deuxième année, on est, après 8 mois, à 9 millions. Donc on est à 10% de la valeur de ce que ça aurait dû rapporter. Et il en déduit bien sûr que les achats ont baissé. Pourtant, les écologistes, eux, ne semblent vraiment pas convaincus de l'efficacité de cette taxe. Manifestement, dans le système belge, ça n'a eu aucun impact parce que ça a été improvisé, parce que la transparence n'a pas non plus été répercutée directement sur le consommateur. Il ne voit pas clair par rapport à ce qui se passe. Mais toutes les parties s'accordent à dire aujourd'hui que l'impact sur l'environnement est extrêmement difficile à mesurer.
De nouveaux éléments dans l'affaire de l'agression des trois jeunes de confession juive il y a 10 jours dans le 19e arrondissement de Paris. 5 personnes sont actuellement en garde à vue. L'enquête ne privilégiait pas la piste antisémite. Pourtant indiquée très vite par la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, on s'oriente peut-être vers une bagarre entre bandes. Audrey Goutard, André Germain. Lorsqu'ils sont agressés le 6 septembre dernier, les trois jeunes hommes marchent dans cette rue du 19e arrondissement. Un groupe de 5 personnes les aurait provoqués en leur envoyant un projectile. S'ensuit une bagarre générale. Kevin Bétan et ses amis sont légèrement blessés, les agresseurs en fuite. Immédiatement se pose la question d'un nouvel acte antisémite. Moi j'avais une kippa, mes deux copains avaient une kippa. Dans la rue on était plus d'une centaine. C'est moi qui prends le caillou. Il y a eu des insultes à caractère antisémite ? Pas d'insultes antisémites et pourtant les associations juives réagissent. Même la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, monte au créneau. Pour elle, pas de doute, l'agression est raciste. Et pourtant, les déclarations des 5 suspects arrêtés ce matin mettent à mal ce scénario. Les jeunes gens âgés de 16 à 23 ans reconnaissent être à l'origine de la bagarre, mais réfutent toute motivation raciste. L'un d'eux est d'ailleurs lui-même de confession juive. Selon les premiers éléments de l'enquête, on est loin de l'affaire Rudy. Ce jeune juif violemment agressé 2 mois plus tôt, quasiment au même endroit. Dans ce dossier, 3 personnes ont été mises en examen, dont 2 pour tentative de meurtre et violence à caractère antisémite. La justice encore avec cette erreur judiciaire retentissante. 7 ans après les faits, un homme accusé, condamné pour un crime, a été mis hors de cause. Il s'appelle Marc Machin. Il va retrouver la liberté dans quelques jours. Pour la première fois, il est sorti du silence aujourd'hui. Fanny Stenler, Pascal Caron. La justice, je leur pardonne à moitié pour l'instant. Cet homme vient de passer près de 7 ans en prison pour un crime qu'il n'a peut-être pas commis. Celui de Marie-Agnès Bedeau, retrouvée morte au pont de Neuilly. En 2004, Marc Machin, c'est son nom, est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Mars 2008, tout bascule. Un autre homme s'accuse de ce même meurtre. Il est confondu par les tests ADN. C'est rarissime, la justice envisage de libérer Marc Machin. Mais il va rester en prison 3 mois supplémentaires pour avoir frappé un surveillant. Cet après-midi, le tribunal a décidé qu'il sortirait à la fin du mois. Interview étonnante, en pleine cour du palais de justice. Tant que je ne serai pas acquitté et réhabilité, ce qui me revient de droit légitimement, confiance est un bien grand mot. Comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est le meurtrier qui s'est constitué prisonnier. Ce n'est pas la justice qui a... Ils ont fait que réparer leur erreur, tout simplement. L'escorte autorise une accolade avec son père, présent chaque jour de ses 7 années de détention. Avec l'espoir de le voir bientôt libre. Cool. Je ne vais pas faire le couillon. Dans 15 jours, t'es à la maison. Salut Marco. Marc, je vais te faire un bisou. Je t'aime fort. Oui. À vendredi. À vendredi. Rentre bien dans la tête. Une fois libre, une autre bataille s'engagera, celle de la révision de son procès. Depuis un siècle, seules 6 affaires ont abouti. En bref, l'enquête semble piétiner sur la disparition du petit Antoine à Issoire dans le Puy-de-Dôme. Elle sera longue et difficile, a indiqué tout à l'heure le procureur de Clermont-Ferrand. On le sait, l'hypothèse d'une fugue n'est plus aujourd'hui privilégiée. Et puis des précisions sur le fichier Edwige. Finalement, il n'y aura sans doute pas de loi. Un nouveau décret sera élaboré, dit-on, au ministère de l'Intérieur. Un décret qui pourrait faire passer à la trappe les indications sur les pratiques sexuelles, la santé et même l'ensemble du fichage des personnalités. C'est demain que se tiendra à Bruxelles un sommet pour la première fois sur les Roms, cette minorité souvent mal considérée et qui fait même l'objet de mesures directes. En Italie par exemple, là-bas le problème est devenu politique, les Roms seraient 10 millions au total. Qui sont les indésirables de l'Europe? Comment vivent-ils? C'est le dossier de cette édition, il est signé Pierre Monégier, Philippe Mugerin. Ils ont 10 ans à peine et leur école, c'est la rue. Pas question de laisser échapper une pièce tombée par terre. Il y a toujours un membre de la famille qui surveille. Les adultes sont là, sur le trottoir, le grand-père, le père et un oncle qui semblent diriger le groupe. Pourquoi ces enfants ne vont pas à l'école? Chacun d'eux rapporte 10 euros par jour, c'est sa réponse. 10 euros, c'est aussi ce que gagne Roussaline. À 14 ans, il a déjà ce qu'il appelle un métier, ferrailleur. Et là, c'est le cuivre. C'est bien ça? C'est pour gagner de l'argent. C'est ce qui vaut le plus cher, le cuivre? Ouais. 3,50 euros le kilo. Alors il faut en ramasser de la ferraille. Son oncle Daniel nous montre ses mains, abîmées à force de faire les poubelles.
C'est ça qui fait mal aux mains? Oui, c'est ça les ferrailles. C'est un ferraille. Ça, c'est les mains de travailleurs, pas de voleurs, c'est ça? Non, non, non. Mais les volets, non, c'est pas bon les volets. Ils vivent à 10 dans ce squat au milieu des chantiers. Trois générations de 4 à 50 ans, tous ferrailleurs. Tu vas pas à l'école? Si, mais des fois, ça m'énerve d'y aller à l'école. C'est parce qu'ils disent que c'est un gitan et tout ça, mais moi, je m'énerve après, moi, je les frappe. Moi, la personne qui me dit gitan, moi, je les dégomme. Gitan, rom, des synonymes pour le grand public, rien à voir, répondent les intéressés. Les gens du voyage sont français et nomades, et ils n'aiment pas du tout être comparés aux roms. C'est complètement des fous. C'est des fous pour vous? Pour moi, c'est roumain, ben ça reste des roumains, t'as vu, je sais pas, ils ont pas évolué. Quoi. Mais qu'est-ce qu'il connaît, lui, là? Il connaît rien du tout. Nous, on est manouches ici, et puis eux, ils sont manouches dans leur pays. Pour vous, c'est un peu la même origine? Un peu, oui. Un peu, c'est normal. De toute façon, on descend tous du même endroit. Hein. Cet endroit, c'est le Rajasthan, au nord de l'Inde. Le peuple rom commence sa migration au XIIe siècle, direction l'ouest et notamment l'Europe, où il constitue aujourd'hui la première minorité ethnique, avec près de 10 millions de personnes. Principalement dans les pays de l'ex-bloc soviétique, mais aussi en Europe de l'Ouest et notamment en France, où il serait près de 400 000. La plupart vivent dans des bidonvilles, sans eau, sans électricité, sans hygiène. Médecins du Monde envoie régulièrement des bénévoles dans ce quart monde aux portes des grandes villes françaises. Ils ont quasiment, sur les indicateurs de santé, les mêmes choses que dans les pays les plus sous-développés. Hein. C'est-à-dire une espérance de vie à 54 ans, un taux de fécondité à 4 enfants par femme, avec toutes les pathologies qu'on rencontre dans la misère. Ils surveillent particulièrement les enfants, comme Elisein, 3 ans. Opéré de l'estomac en Roumanie, les médecins lui ont posé une sonde gastrique artisanale. Un simple tuyau d'arrosage par lequel sa mère le nourrit. Et pourtant, un fonds social européen existe, richement doté, 11 milliards d'euros. Parmi les projets mis en œuvre, des villages d'insertion, comme celui d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Cette famille a emménagé il y a un an, après des années dans la rue. Superbe maison, c'est très très bien, ici. Avant, c'était comment? Pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait des rats. À 8 ans, elle redouble son CE1. Mais elle s'accroche, et cette volonté d'aller à l'école, c'est justement le principal critère pour bénéficier de ce programme. Il est 20h16, si vous nous rejoignez, à suivre l'enseignement sans école à l'occasion de la journée de la liberté d'instruire. On verra que 30 à 40 000 enfants vont à l'école ou à la maison ou chez un particulier. La méditation sort de son ghetto, elle est même recommandée par certains médecins contre la douleur ou la dépression. Est-ce vraiment mesurable? Et puis champion et tétraplégique, le français David Smetanin, 33 ans, est l'une des vedettes des Jeux Paralympiques avec 4 médailles en natation. Mais d'abord la fin de la visite du pape en France. Sa dernière messe a été consacrée ce matin aux malades à Lourdes, devant 70 000 fidèles. Aurélia Bro, Delphine Paric-Miller. Salué par François Fillon, Benoît XVI est reparti à Rome en début d'après-midi. Fin d'un voyage de 4 jours. Dernier temps fort à Lourdes, ce matin. Une messe pour les malades, devant 70 000 pèlerins. La souffrance endurée rompt les équilibres les mieux assurés d'une vie. Il était compas que l'homme ne peut soutenir seul. Sans l'aide de la grâce divine. Devant lui, 1500 malades ont patienté pendant des heures pour le voir. C'est émouvant parce que c'est notre père à tous, à nous les chrétiens. Voilà. J'ai les jambes qui tremblent. De l'huile sainte sur le front, les mains, 10 malades ont reçu l'onction des mains mêmes du pape. Un geste important pour un chrétien que beaucoup auraient aimé recevoir. Ce que j'aurais aimé, c'était l'onction des malades. Même que ce ne soit pas lui, mais de l'avoir à Lourdes. Parce que c'est un réconfort haute. Aujourd'hui, beaucoup de pèlerins avaient déjà quitté Lourdes. Le pape n'y a d'ailleurs pas connu le même succès qu'à Paris. 170 000 fidèles avaient tout de même fait le déplacement. L'éducation à chaque jour, son annonce. Hier, nous vous parlions des récompenses et des prix. Aujourd'hui, le ministre Xavier Darcos a indiqué sur France Info qu'il voulait instaurer un code de la paix scolaire. L'idée est d'harmoniser les procédures disciplinaires de tous les établissements. Il souhaite aussi proscrire l'exclusion des élèves. Lorsqu'on évoque l'éducation, on pense à l'école, au collège ou au lycée, mais il y a une réalité qu'on évoque
peu souvent celle des enfants qui sont instruits en dehors des établissements. Regardez ce chiffre, ils sont tout de même 30 000 au moins en France. Ils souhaitent être reconnus, une journée leur est consacrée aujourd'hui. Certains reçoivent un enseignement de leurs parents, d'autres se rendent chez des particuliers, souvent d'anciens enseignants. L'école sans l'école, reportage José Blanc-Lapierre, Michael Cario. Il est 9h, comme les autres, ses enfants se rendent à l'école, jusque-là, rien de particulier. Tout change en revanche devant la porte. Ici, pas de préau, mais un garage. Et dans les cartables, on est prié de ne pas oublier ses pantoufles. Une maison-école où l'on fait un peu d'anglais chaque jour, peu importe l'âge et le niveau. En le refaisant tous les jours de l'année, c'est quelque chose que vous ferez très bien. Puis, travaux pratiques sur les déchets, avec une maîtresse tout-terrain qui explique toujours le pourquoi du comment. Si on ne dit pas à quoi ça sert, eh bien, il risque de passer complètement à côté de l'apprentissage et de ne rien retenir, parce que ça n'a pas de sens. Donner du sens, s'adapter à ces enfants plus intelligents que les autres et pourtant fâchés avec l'école. C'est le choix de cette enseignante du public qui met sa carrière entre parenthèses et accepte de gagner 500 euros de moins par mois pour leur redonner envie d'apprendre. On part des matières enseignées dans le programme de l'éducation nationale. On les approfondit avec des sorties, avec des conférenciers, avec des visites de monuments, etc. 10 élèves de 5 à 9 ans qui gardent tous un mauvais souvenir de leur école d'avant. Oui, j'avais pas de copains, c'était une vraie horreur. J'ai changé deux fois d'école. C'est ma troisième école. Du sur-mesure qui revient à 400 euros par mois à des parents prêts à mettre le prix dans une solution qu'ils cherchaient parfois depuis longtemps. Ils ne voulaient plus aller à l'école, enfin ils s'éteignaient, donc on a commencé à se poser des questions. Et puis on a découvert l'ouverture de cette école. Il était très difficile d'adapter l'enseignement à ma fille, c'est-à-dire éventuellement de la faire progresser en français, mais de tenir compte de ses difficultés en mathématiques. Donc on a choisi une structure où elle avance à son rythme. Et chaque vendredi soir, la salle à manger école reprend ses droits pour la durée du week-end. On reste dans l'éducation, mais sur un autre continent, avec une initiative, vous allez le voir, spectaculaire, celle du gouvernement indien. On sait que là-bas, l'inégalité entre les sexes est criante. On estime que 40% des femmes sont illettrées. L'État a donc décidé de rémunérer directement les jeunes filles pour les inciter à reprendre le chemin de l'école, 2 centimes d'euros par jour et par élève. Pour la population indienne, ce n'est pas négligeable. Reportage Arnaud Miguet, Dominique Marotel. Sana et Fatima, du haut de leurs 15 ans, ne font pas l'école buissonnière, bien au contraire. Elles sont même devenues des élèves modèles depuis que les autorités ont décidé de donner une récompense pour chaque jour de présence à l'école. Du coup, Sana peut s'offrir un petit plaisir sur le chemin du collège. J'adore ces boucles d'oreilles et je peux me les acheter parce que je vais à l'école. Sana, comme ses camarades de seconde, est aujourd'hui payée pour répondre présente à l'appel. Une petite roupie, l'équivalent de 2 centimes d'euros par jour, plus toutes sortes d'avantages, libre transport ou uniforme gratuit. En donnant un peu d'argent, on soulage les familles. Et donc elles nous envoient leurs filles plus facilement. Les garçons, eux, sont exclus de cette initiative publique, mieux scolarisés, plus longtemps. L'école est bien obligatoire en Inde jusqu'à 14 ans, mais 50% des filles abandonnent cours et récréations avant la fin de l'école primaire. Il est 14h, Sana rentre chez elle. Elle fait partie de ces 118 millions d'enfants touchés par la pauvreté. Ils vivent à 7 dans une seule pièce. L'éducation, ce n'est donc pas une priorité pour la famille. C'est bien plus utile pour elle d'apprendre la cuisine ou les tâches ménagères. Ça lui servira plus quand elle sera mariée et vivra avec sa belle famille. Sinon, ses beaux-parents vont se demander ce qu'on lui a appris. Mais c'est devenu une priorité pour l'administration qui tente de renverser la tendance. On ne change pas les mentalités du jour au lendemain. Si les filles vont à l'école, elles ratent des opportunités d'emploi grâce auxquelles elles peuvent gagner de l'argent. Mais doucement, on arrive à changer les choses. Si l'Inde connaît un boom économique sans précédent, sa situation en matière d'éducation reste préoccupante. Avec 380 millions d'illettrés, l'Inde détient un record mondial en la matière.
En bref, encore à l'étranger, un nouveau scandale alimentaire secoue la Chine. Du lait frelaté pour nourrissons a été vendu à des milliers de familles. Deux bébés sont morts, plus de 1200 sont malades. La poudre de lait a été contaminée par de la mélamine, un produit chimique utilisé dans la fabrication de plastique ou de colle. La négligence et la corruption sont une nouvelle fois incriminées. Et maintenant, un peu de distance avec le tumulte. À la frontière de la santé et de l'art de vivre, la méditation sort de son ghetto. Cela peut faire sourire, mais vous allez le voir, on est très loin désormais de l'image des hippies attardés ou hors du temps. La méditation est même recommandée par certains médecins contre la douleur ou la dépression, par exemple. Alors, ces effets sont-ils vraiment mesurables? Enquête Marie-Pierre Cassignard, Pascal Stelletta. On dit de lui que c'est l'homme le plus heureux du monde et il s'en amuse. Mathieu Ricard, moine bouddhiste proche du Dalai Lama, collectionne depuis 30 ans les heures de méditation, 40 000 heures au compteur, l'équivalent de 5 années, assis, immobile, à faire travailler son esprit. On sous-estime considérablement le pouvoir de transformation de l'esprit. On est prêt à faire de l'exercice physique pour être en bonne santé. On n'hésite pas à passer 15 ans à apprendre à l'école, à avoir une formation professionnelle. Et notre esprit, à qui on a affaire du matin au soir, on le laisse un peu en friche. Et c'est un peu dommage parce que nous avons tous le potentiel d'un meilleur équilibre émotionnel, de façon plus optimale de vivre. Ce discours sur les bienfaits de la méditation, les scientifiques aujourd'hui le valident. Nous sommes à l'université du Wisconsin, sur le crâne de Mathieu Ricard, 256 électrodes. Depuis 8 ans, des chercheurs analysent son activité cérébrale lorsqu'il médite. Leurs conclusions sont spectaculaires. En pleine méditation, on mesure dans son cerveau une activité électrique jusqu'à 8 fois supérieure à celle d'un cerveau non entraîné. Certaines zones, qui habituellement s'ignorent, se connectent les unes avec les autres. Nous avons découvert des réseaux dans le cortex préfrontal et aussi à l'arrière du cerveau, dans le cortex pariétal. Et ces zones étaient fortement activées et en complète synchronie pendant la méditation. Et pas besoin de s'adonner à la méditation depuis des années pour en sentir des effets. Les scientifiques ont également testé des débutants. Après seulement 2 mois, à 30 minutes par jour, la pression sanguine et l'anxiété diminuent. Le système immunitaire se renforce. Application directe de ces recherches, aux États-Unis, quelques 200 hôpitaux utilisent déjà la méditation pour traiter les personnes dépressives. Et en France, ça commence. Ainsi, dans cette clinique de Lyon, ces patients ont entamé un programme de 8 semaines pour apprendre à méditer. Ils en sentent déjà les premiers effets. Ça apporte un florilège de choses positives, telles que l'envie d'être facétieux, l'envie de faire sourire les gens, l'envie de vivre. Ici, on apprend à repérer ses pensées négatives pour éviter la rechute dépressive, un exercice exigeant. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de pratiques. Ça va demander aux patients de faire des exercices quotidiens pour développer cette qualité qui deviendra ensuite une seconde nature. À Lyon, les premiers résultats sont très encourageants. Pour l'instant en France, seuls 3 hôpitaux proposent cette méthode. La journée mondiale du lymphome. De quoi s'agit-il? D'un rouage essentiel de nos défenses immunitaires, une sorte de système de drainage qui bloque les substances étrangères dans le corps humain. Mais il est fragile, il est en particulier très vulnérable au cancer. On compte 12 000 cas par an, 3 fois plus qu'il y a 20 ans. Et pourtant, les traitements existent. Explication Jean-Daniel Flézaquier, Madi Diawara. Très rassurant, il n'y a aucun ganglion. Il y a 5 ans, Jean-Marie de la Sancerrie avait une masse cancéreuse de 12 cm dans le ventre. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tous les résultats sont concordants pour montrer que vous êtes en rémission complète et qu'avec le temps, on évolue vers la guérison. En 2003, après un épisode de grosse fatigue, le diagnostic tombe, c'est un lymphome, un cancer du système lymphatique. Ce système, c'est un filtre géant. On y trouve l'appendice, les amygdales, la rate, mais aussi les ganglions lymphatiques. Sans qu'on sache pourquoi, ce filtre va à un moment produire à l'excès des globules blancs anormaux, c'est le lymphome. Depuis 20 ans, le nombre de cas a triplé. On sait que certaines infections, bactériennes ou virales, comme le sida ou les hépatites, peuvent être mises en cause. Mais aujourd'hui, le rôle de l'environnement et de certains produits est montré du doigt.
Il y a une profession qui est particulièrement à risque, c'est la profession agricole, et l'exposition aux pesticides est une des causes, augmente l'incidence, la fréquence des lymphomes d'environ 2 fois plus. Et il faut signaler aussi que la manipulation par des jardiniers du dimanche, comme on les appelle, de ces produits dangereux sans précaution doit être évitée. Responsable du personnel dans un groupe, Jean-Marie ne sait pas pourquoi il a eu ce cancer, mais il a su comment s'en défaire. 5 séances de chimio pour moi, j'y allais comme pour un combat, quoi. J'y allais pour gagner. Et c'était long ? Oui, c'était long, mais 3 jours, peut-être 3 semaines, mais j'y allais pour gagner. Pour traiter les lymphomes, médecins et patients disposent désormais d'une arme redoutable, les anticorps monoclonaux. Ces nouveaux traitements vont s'accrocher aux cellules malades et entraîner leur destruction. Voici à gauche un lymphome du poumon et de la plèvre. 2 mois après traitement, la tumeur a disparu. Comme Jean-Marie, 100 000 personnes vivent aujourd'hui guéries de leur lymphome. En bref, une grande soirée pour la télévision publique au Théâtre du Châtelet à Paris ce soir, à l'appel d'une 40aine d'organisations professionnelles de l'audiovisuel. Soirée intitulée « Pour que vive la télévision ». Et alors que le projet de loi sur le financement de France Télévisions sera présenté dans un peu moins de 10 jours en Conseil des ministres, image signée Franck Brisset. Cinéma, on connaissait la chanteuse, on connaissait l'actrice, Madonna devient réalisatrice. Son premier film derrière la caméra Obscénité et Vertu sort après-demain. Il raconte ses débuts, difficiles. Les critiques sont, disons, partagées. Jean-François Firet. Nous surprendre. Comment Madonna le pourrait-elle encore à 50 ans après 25 années au firmament? Réponse, avec son premier long métrage derrière la caméra. L'humanité semble être divisée en 2 catégories. People trying to be good and people trying to be bad. Obscénité et vertu, un titre étrange mais fidèle à un thème, celui du bien et du mal, que la star a développé tout au long de sa carrière. Pour en parler, la Madonna reçoit à Rome, dans sa suite d'un 4 étoiles. 10 minutes, montre en main. Je ne m'attends pas à ce que ce film soit un succès critique ou commercial. C'est plutôt une carte de visite pour dire, me voilà, j'aimerais que vous me preniez au sérieux. Pour sa première réalisation, Madonna raconte le quotidien de 3 colocataires londoniens, dont Holly, apprentie danseuse. Elle rêve de gloire et de fortune, mais connaît à la place échec et déchéance. Bref, c'est un peu l'histoire de Madonna elle-même, résumée en 1h20. Pendant l'écriture du scénario, je ne savais pas que j'étais en train de parler de moi. Mais quand j'ai vu le produit final, je me suis dit, oh mon Dieu, mais tous ces personnages, c'est moi. Madonna essaie surtout de faire oublier ses nombreux revers au cinéma. Elle jure de ne plus jamais faire l'actrice. Les critiques l'ont blessée. Procès d'intention, répond-elle. Ces critiques s'adressaient à Madonna la personne, pas à l'actrice. Vous savez, dans ce milieu, les gens aiment bien vous coller des étiquettes et vous mettre dans des boîtes sans jamais vous laisser la possibilité d'en sortir. Obscénité et vertu n'est pas encore le film qui la réconciliera avec la critique. Un brin provocateur, original, mais encore hésitant dans la réalisation. La Madonna assume, promet de faire encore mieux la prochaine fois. Du cinéma toujours avec l'image de 2 grands du cinéma américain de passage à Paris, Robert De Niro, Al Pacino, côte à côte. Ils sont venus faire la promotion de leur prochain film, La Loi et l'Ordre, qui sortira en octobre. Un beau parcours maintenant, il est à la fois tétraplégique et champion. Le français David Smetanin est l'un des héros des Paralympiques à Pékin. Il a récolté aujourd'hui sa 4e médaille en natation. Christophe Duchiron, Frédéric Basile sur place à Pékin. Comme on dit dans le milieu des bassins, c'est un gros bonnet, encouragé en tribune par le clan des tricolores. David Smetanin nageait aujourd'hui au couloir 4 avec une jolie pancarte de favori dans le dos. Il nageait aussi avec ses gros bras et sans l'aide des jambes. David est tétraplégique partiel suite à un accident de voiture à l'âge de 21 ans. Sur le 50 mètres nage libre, pure épreuve de sprint, il a fini en or et en émotion. C'est un gros soulagement. Soulagé d'en avoir terminé et alourdi aussi du poids des 4 médailles qu'il a remportées en 8 jours. 2 en or, 2 en argent. Lui qui faisait de la natation avant l'accident et qui s'est remis à l'eau très vite après, car dans l'eau, il est dans son élément. Hello! Bien sûr que musculairement, on progresse grâce à ça, c'est évident. Et j'ai retrouvé l'identité aussi, une personne qui était ma personne. Donc ouais, une thérapie, et ça reste une thérapie encore aujourd'hui. J'ai besoin de ça, j'ai besoin du sport, je vis pour le sport et...
et c'est important, quoi. Il en faut forcément du talent, de l'énergie et de la volonté pour faire avancer à plein régime ce corps dans l'eau. Oublier le corps d'avant, celui de l'intégralité des moyens physiques. À force d'entraînement, où il nage parfois plus de 12 km par jour, David est devenu aux Jeux paralympiques, un athlète de très haut niveau. Je pense que David a passé le cap où il était à la recherche de son corps. Maintenant, il est à la recherche de la performance et de la perfection. Le handicap est accessoire dans la natation, du sport à ce niveau-là. 4 médailles et des primes équivalentes à celles des sportifs français des Jeux Olympiques, il va repartir de Pékin avec 140 000 euros dans les valises. Mais en fait, avec bien plus que cela. Une manière de reconnaissance. Et puis, une image de football en Ligue 1. Hier soir, en match en retard, le PSG s'est imposé face au FC Nantes. 1-0, but signé Kezman sur pénalty. Le PSG avec 10 points se hisse donc à la 3e place. Classement derrière Lyon et Marseille. On a vu la faute du Nantais Endo sur Oaro et la transformation du pénalty. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite, victime de la crise des subprimes. Les bourses plongent, Paris perd près de 4%. À Washington, George Bush tente de rassurer. À Paris, Christine Lagarde écarte l'hypothèse de faillite du même genre. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeschko, 20h50 Cold Case, affaire classée, 23h15, n'oubliez pas, complément d'enquête autour de Benoît Duquesne. Au sommaire, les soldats français en Afghanistan, un mois après la mort de 10 de nos militaires. A demain. L'info en continu, c'est aussi sur France 2.fr.